toujours à Costa del Sol pour des petites vacances. On continue les petites quêtes annexes. On est avec Tifa et Aerys. Tiens, Tifa, es-tu venue assister au concert? Hélas, tu risques d'être déçue, je crains qu'il ne soit annulé. Le pianiste qui devait jouer aujourd'hui a disparu dans la nature en ne laissant qu'une lettre derrière lui. Il y explique qu'il s'est enfui avec son amant. Enfui ? Carrément ! J'offre mon soutien à tous les amoureux épris de liberté, même si cela nous laisse avec un récital de piano sans pianiste. Le personnel de l'hôtel nous a alors imploré de l'aider à trouver un remplaçant. Je sais que nous avons la réputation d'avoir de très nombreuses relations, mais il y a des limites quand même. Oh. Mais dis-moi, ces mains... ces doigts... ils sont d'une grande fermeté acquise par la pratique des arts martiaux, et pourtant si délicats. Toi, tu as appris à jouer du piano, n'est-ce pas? Oui, j'ai pris des leçons quand j'étais petite, mais j'ai plus eu l'occasion de pratiquer depuis... Tu crois que nous avons le temps de faire la fine bouche? Cesse un peu de ronchonner et laisse faire une professionnelle. Tu caresses les blanches et les noires. Les blanches et les noires. Les blanches et les noires. Les blanches. Bon, je suis nul au piano. Jouer au piano. Une partition Tifa Theme. S'entraîner. Non, pas la peine. Ça commence bien. Focus que sur la droite. Voilà une mélodie aussi apaisante que les vagues en fin d'après-midi, malgré quelques irrégularités. Quoi qu'il en soit, c'était une représentation musicale des plus touchantes. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir bien fort notre pianiste. Ouh.
Grâce à vous, le concert s'est tenu comme prévu. En remerciement, veuillez accepter ce modeste présent qui inclut la carte offerte à tous les spectateurs. Quant à la rémunération prévue pour la prestation... C'est avec moi qu'il faudra voir ça, mon bon monsieur. Voyons, si on ajoute les frais de déplacement, d'impresario, et qu'est-ce qu'on a encore? À propos de ce pianiste qui s'est enfui, j'ai ouï dire que lui et son amant étaient partis quelque part où ils espéraient ne plus jamais être séparés. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement aidé cet hôtel, mais aussi deux amoureux qui n'aspiraient qu'à un peu de liberté. La prochaine fois que tu monteras sur une scène, j'espère que ce sera la mienne. Au plaisir de vous revoir, mes adorables cupidons. Ok, mec. Ok, bah voilà. Je crois qu'on a tout fait. Il ne reste plus qu'à nous changer. Louer un de nos gyropodes vous évitera les ampoules au pied. Bonsoir. Ici, vous pouvez échanger vos cartes contre de superbes tenues de plage. Gracieuse baleine. Sympa. Dauphin étincelant. Fleur de soleil. Sirène rose. Merci et bonne journée. Ok, je vais aller autre part pour l'essayage. Alors Tifa, voyons voir. Gracieuse baleine. Le fin étincelant. Ok, on va garder cette tenue et Eris. Sirène rose. Ok, let's go. Ok, let's go. Alors ça, c'est ce que j'appelle un look estival. Vous souhaitez aller sur la plage? Bah ouais, mec. À nous la plage. Et avec élégance. T'as de la concurrence, Yuffie, hein. De vraie beauté.
voyons, toutes les deux. Nous voilà. Cloud, tout va bien? Oui. Regarde les yeux, Cloud. Il fait très chaud. Faites gaffe. Allez pas prendre un coup de soleil. Ça fait mal. Ça vaut encore plus pour toi, Cloud. Mais faut profiter. Wouhou, pas vrai? Oh. Allez, écartez-vous. Oh, Joe. Ah, vous ici, en voilà une agréable surprise. Non, je ne suis pas venu pour Aerys, rassurez-vous. Mais bien sûr, si tu acceptes de nous prêter assistance, ce sera avec grand plaisir. Tu peux toujours rêver. Peu importe. Vous allez bientôt pouvoir assister à un incroyable spectacle. Tu pourras peut-être y participer, toi aussi. Oh, j'ai hâte de voir ça. Quelle bonne idée. Genre, il a des meufs, Ojo. Mesdemoiselles, que diriez-vous de devenir mes assistantes? Vous seriez beaucoup mieux lotis en travaillant pour la compagnie chinoise. Ok, on vérifie s'il n'y a pas de coffre caché. Dans ma prochaine expérience. Imaginez ça, l'une de vous pourrait donner des coups. Après tout, un héros d'une grande beauté impressionne ses ennemis d'autant plus facilement, n'est-ce pas? Car en fin de compte, ce n'est ni sa grandeur ni sa puissance qui font d'un homme un héros, mais plutôt le regard que ses pairs posent sur lui. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer? Ben, pas vraiment. Mais ça a l'air incroyable. Bienvenue, professeur. C'est un honneur de vous recevoir à Costa del Sol. J'espère que les filles se sont montrées assez accueillantes. Cette blouse blanche vous rend vraiment très sexy, professeur. Dites, professeur, vous me laisseriez stiquer oui, mais avec les yeux bandés. Essayez-vous de goûter à mes délicieux fruits, professeur. Tenez. C'est quoi, ça? Ils sont en train de faire quoi, là? Et sérieux, Johnny? Tu as répondu à l'appel, toi aussi, n'est-ce pas? De quoi est-ce que tu parles? J'en déduis que tu n'en es pas conscient. Comme tu peux le voir, tous tes frères ont également fait le voyage pour se rassembler ici. Oh, alignez-les! D'accord! Allez! Alors... Bon. Allez, ici! Voilà! Hop! Parfait! Bien! Hop là! Juste là! Voilà! Mais qu'est-ce qu'elles font, celles-là? Bien! Il est l'heure de commencer le grand spectacle! Ok, il a ramené des monstres. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Extraordinaire! Contemplez le pouvoir de la Réunion! Genre de spécimen qu'il me fallait pour mes expériences. Enfoiré! Barrette! Aidons d'abord ce jeu. Mauvais! Il me dit que tu es vraiment de mourir. Il le paiera. Ok, d'accord. Je vais me battre avec un parasol.
Bah Tifa bien sûr. Un petit combo avec Tifa. Synchronisé. Bon, bah on va buter choc. Ça soit un pour Cloud. Synchroniser vrille double. Désordre.
je sais pas si c'est normal. On va pouvoir rentrer. Pas si vite, mon vieux. J'espère que je suis pas trop. Non, t'as bien fait. On n'en finira jamais à ce rythme-là. Mais je crois bien que j'ai une idée. Donne-moi un peu de temps, d'accord? Ok, alors rejoins l'équipe ou pas? Ok, D'ailleurs, on me touchait quand même. Tout ça, c'est à cause de moi. Comme d'hab. Petite transcendance, taille de croisée. Ok, elle est stylée, Yuffie. Non, attends. Laisse-le. Bon, il bute personne dans FF. J'ai l'impression que tous les méchants, ils survivent. Plage de Costa soir. Coucher de soleil sur la plage. Y
n'y avait personne derrière le comptoir. Alors je me suis servi. Un Costa del Sol. J'en préparais parfois au 7e ciel. On se disait qu'on rêverait de venir ici. L'époque où je travaillais au bar me paraît si loin. J'ai l'impression que ça fait des années. T'aimerais y retourner ? Au bar ? Bien sûr, un de ces jours. Mais pour l'instant, je sais très bien qu'on est obligé d'aller de l'avant. Même s'il m'arrive parfois d'avoir du vague à l'âme. Dis, je peux t'en faire un pour toi aussi si tu veux. Non, ça va. Mon prochain verre d'alcool, je le boirai quand on aura reconstruit le 7e ciel. C'est ce qu'on a décidé avec Barrett. Quand est-ce que vous avez eu l'occasion de décider ça ? C'est un secret. C'est bizarre comme secret. Mais c'est toi qui vois. J'espère qu'on pourra revenir un jour pour regarder la mer. L'esprit libre de tout souci. Ok, Tifa. Midgar est là-bas, au-delà de l'horizon. Pas vrai ? Ma véritable mère, elle s'appelait Ifalna. À ma naissance, Ojo l'a fait capturer pour mener ses expériences. Parce que c'était une Citra. C'est pour cette raison que je le hais. Profondément. Il m'arrive même de me dire que je dois venger ma mère. Je me mets à penser à des choses horribles, à tel point que j'ai peur de moi-même. Tu réfléchis trop. Mais quand même. Te torture pas. T'y penseras quand ce sera nécessaire. Tu n'auras qu'à écouter ton cœur. Et quelle que soit ta décision, je serai là. Ah, mais tout que ça, Cloud. Bon, on y va. Je n'aurai qu'à écouter mon cœur le moment venu. Oui, c'est plus simple. Quand on y sera, je compte sur toi. Ouais. Pas toi. Je disais ça à l'Iris du futur. Je pense que ce sera vraiment une fille formidable. Tu verras quand on y sera. Merci pour ce moment. Je ne l'oublierai jamais. J'avoue, c'est beau, hein, en tout cas. Bon, la mer, elle aurait pu être un peu plus... Un peu mieux faite, on va dire. Mais sinon, c'est super beau. Mon pote Red. À cause de Ojo, c'est un vrai champ de bataille. Non. C'est aussi notre faute. Chaque fois que j'ai affaire à lui, je perds totalement mon sang-froid. Si on s'était pas battu, ça aurait été encore pire. On n'a pas eu le choix. Peut-être, ouais. Mieux vaut se dire ça, en tout cas. Va donc rejoindre les autres. Ok, Barrett, il est où ? Accès à la plage privée interdit. Ok. Mr. Barrett. Pff,
faut bien l'admettre. Yuffie nous a tirés d'un sacré pétrin. Et moi, j'ai rien pu faire pour sauver les manteaux noirs. Ils étaient destinés à mourir. Oublie-les. Hein ? Tu veux bien m'épargner ce genre de conneries, s'il te plaît ? Ton excuse bidon, là, elle me remonte pas le moral. Ah. Pas content ? Ma mère est magnifique. J'aimerais bien y amener Marlène, un de ces quatre. Eh, donc, il faut évoluer... Attends, 1, 2, 3... Tifa, je crois que c'est bien aussi. 1, 2, 3... Il y a que Barrett qui a pas kiffé ma réponse. Pour lui. Bon, prêt à partir. Let's go. Sont finis. Dommage. Ouais. Des vacances un peu mouvementées. Bon, retournons à l'hôtel. Le gîte balnéaire d'où on voit pas la mer. Pour m'abattre. En tout cas, tu nous as bien aidés. Au fait, faut que je vous dise, les filles de la plage qui ont vu ce que j'ai fait m'ont posé des questions à propos de l'hôtel. Elles m'ont expliqué que le maire était un escroc. J'ai honte, je me suis fait arnaquer. Je m'en étais pas rendu compte. Et ta dette, ça doit être une grosse somme. Tu vas pouvoir la rembourser ? T'inquiète pas. Les filles sont allées voir Capono pour qu'il arrête de me persécuter. Elles l'ont menacé de révéler ses méfaits au monde entier. Elles lui ont tellement mis la pression qu'il a cédé direct. Et résultat, ma dette, pouf, zéro. Oh, c'est bien fait. Je suis devenu le héros de la ville. Et vous allez voir, je vais faire de mon humble gîte un hôtel 7 étoiles dans les règles de l'art. Ouais, on a foi en toi. Pour l'instant, les étoiles, on les voit surtout à travers les trous dans le toit. Bon, c'est vrai, mais l'accueil est chaleureux. Ah non, j'ai mal. Oui, c'est vrai, merci. Eh ben, ça va, mon vieux. Ouais, allez. Je sens qu'il est pas au bout de ses peines. Merci pour tout. Y'a pas de quoi. C'est moi qui vous remercie. Alors dis-moi, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? On va suivre les manteaux noirs. Ah bah, je les ai vus partir ce matin en direction du Mont Corel. Y'en a certains qui étaient blessés, mais impossible de les arrêter. Le Mont Corel. Alors c'est là qu'on va. Mont Corel. Nous espérons que votre séjour vous a plu, messieurs dames. Bonne route. Soyez prudents. Merde, Tifa, non, fallait garder ta tenue. Quel dommage. Un truc qui aurait été cool, c'était... Et...
Va si vite, attends. Toi, avec ta coupe de hérisson, je te défie en duel. Si c'est moi qui gagne, tu devras obéir à tous mes ordres. À l'inverse, si jamais tu réussis à me battre, je te ferai l'honneur de me joindre à ton coup. T'en dis quoi? Ok. Attends, tu veux te battre? Pour de vrai? Non, parce que bon, pas besoin de violence. Si tu me le demandais gentiment, je pourrais accepter de vous rejoindre. Oh, mon plan a échoué. Je dois me replier. C'est quoi son problème? Bah tant pis pour elle. Non, comme je disais, un truc qui aurait été cool, c'était faire des quêtes annexes pour le gîte de Johnny, histoire de l'améliorer. Donc bref. Bon, bah c'était pas mal en tout cas. En fait non, attendez une minute. Dis, t'es vraiment absolument sûr que tu veux pas de moi dans ta bande alors? Tu peux venir. Bon, tu peux venir. Voilà ce que je voulais entendre. Alors, puisque vous insistez, j'accepte de vous rejoindre. Bienvenue, Youfi. Chapitre 7, un retour douloureux. T'as vraiment pas intérêt à nous faire un sale coup. Sinon, je te fous dans le canon de Junon et je te renvoie direct au Wutai, c'est clair? Oula! C'est bon, j'ai compris. Ouh! Youfi Kisaragi, à votre service. Alors, je vais me mettre ici. Ok. Se changer en tenue de plage. Vous pouvez vous promener dans Costa del Sol en tenue de plage pour vous changer et utiliser les cabines d'essayage dans la ville. Vous retrouverez automatiquement votre tenue habituelle si vous quittez la zone de Costa del Sol. Et désormais possible d'effectuer des déplacements rapides en bateau en Costa del Sol et sous Junon. Pour utiliser cette fonction, adressez-vous au personnel du port. Vous pouvez également le faire en ville en parlant au responsable du gîte balnéaire de Johnny, indiqué par l'icône gîte. Ok. Ajout au quai disponible. Bon, allez, alors. Qui veut une materia? J'ai terminé la quête de Red pour avoir son petit collier. J'espère qu'il vaut le coup. Collier en argent. D'ailleurs, il y en a deux, donc... On va mettre ça, et gain d'ATV. J'ai... pas beaucoup de matériel quand même. Garde renforcée. Et mettre un PV augmenté.
Ok, ça c'est bon. Tifa, je crois qu'elle a peut-être des nouveaux gants, non? Point de Kaiser. Dague tournoyante pour elle a quoi? Vol, PV augmenté, analyse. Et dégâts de glace. Mettre un PM augmenté, j'ai pas grand chose pour toi, Yuffie. Porte-clé rocher, récupère un petit montant d'ATB lors de l'utilisation des compétences d'armes. Boucle, ok, boucle spiritiste. Une petite plume de chocobo. Ok, donc il m'a juste un truc que j'ai pas réussi. Parce que quand on était avec Tifa et Aris, j'ai pas pu le refaire. Des pirates. On va le tester une fois histoire d'avoir chronomancie. Y aller. Je descends. Dernière vague, je peux faire. Ben, je suis loupé, sa mère.
14600. Putain, chronomancie, il me faut 15 000. Et on peut le faire. Donc 400. Ouais, 9200. 9200, bordel. Ok. Pas sûr que je vais pouvoir le faire. Ok, nickel, on l'a.
Nécromancie. N'hésitez pas à repasser quand vous le voudrez. Ok, on a tout fait. Quête. Panneau d'annonce, quête. Ok, d'accord. On va se terminer les deux petites quêtes vite fait. C'est pas toi qui t'es opposé au rendez-vous galant à Costa. Mais oui, je te reconnais. Je m'appelle Fran. Moi, c'est Naomi. Et moi, Yorda. On aurait un petit boulot à te proposer. Ça t'intéresse? Ça dépend. C'est rien de compliqué. Il te suffit de passer un moment en couple avec ta copine. Qui, moi? Ah. Je vous explique. Toutes les trois, on tient une boutique de maillots de bain où on vend nos propres créations. Pour la prochaine saison, on a décidé de se lancer un défi sur le thème « Un maillot parfait pour un rancard à succès ». Mais on a beau se remuer les méninges, c'est la panne totale d'inspiration. Et on est censé faire une annonce bientôt en plus. Bref, la bonne grosse galère. Mais c'est là qu'on s'est dit, si on observait justement un couple en rancard, ça nous donnerait peut-être des idées. Alors, tu veux bien nous rendre service? Ok. Merci beaucoup. Voilà le plan. On va vous faire participer à plusieurs activités. Moi, ce sera la course sauvage. Et moi, je vais préparer le carnage des pirates. Venez nous retrouver au stand, tout en profitant tranquillement du paysage. Moi aussi, je vais vous préparer une activité dont vous me direz des nouvelles. Mais j'ai besoin d'un peu de temps, donc commencez par celle de Fran et Naomi. Fran vous attend à l'attraction du carnage des pirates, et Naomi à la course sauvage. Et pourquoi je suis pas avec, avec Tifa? Désolé. Franchement, c'est quand même une drôle de requête. Ouais, je m'en remets à toi. Vraiment? Alors je vais essayer de te surprendre. Non, restons simples. Et c'est quoi pour toi au juste, rester simple? Se promener ensemble. Comme marcher sur les toits, c'est ça? Ouais. On s'était bien amusés en tout cas. Je t'attendais. Alors, prêt à jouer les as de la gâchette devant ta belle? Vise les cibles en plein cœur pour faire chavirer celui de ta dulcinée. Ok, ce mode de carnage des pirates prend place sur un légendaire vaisseau fantôme attaquant les flibustiers en mer. Là aussi, vous marquez des points en abattant les cimes, mais votre taux de pression influe également sur votre score final. A vous donc de prouver que vous êtes un véritable tireur d'élite. Ok. Ah, ils sont sérieux? Élémentaire intermédiaire. Armée abyssale. Moi, ça, c'est juste un... Ok, 780, ça a l'air d'être top. Je peux être précis en plus. Impressionnant. Ça eux. C'est quoi ça? Bien joué.
plante pas. Il est mignon, lui. Je plante pas. Tu vas y arriver. Super. Bravo. Quelle classe. Score 6000, 12000 cette fois, 47. Bon, cette fois-ci, on s'en fout, c'est pas grave. Eh, sérieux? Ah, putain. Faut absolument les 10000. Chaud. Bravo. Super. Impressionnant. Il n'allait pas où cet enfoiré. Ok, ça y est. Quelle classe. Armée abyssale. Je le ferai en off. C'était un peu juste quand même. Si ça se trouve, je suis meilleure que toi. Une fille qui sait viser le cœur des garçons, ça me plaît bien. J'aurais fait mieux avec une épée. C'est fascinant de voir un homme faire tant d'efforts et d'observer l'affection dans le regard de la femme à ses côtés. Et ce, quel que soit le résultat. Merci pour votre participation, c'était très instructif. Sur ce, je file à la boutique pour commencer à coudre. Quant à vous deux, je vous laisse poursuivre. Naomi doit vous attendre à l'attraction de la course sauvage. Ok, alors pourquoi c'est pas... Encore un truc bien bateau. Tu serais pas un peu trop exigeant, Cloud? Faut s'amuser. Ça reste un boulot. Et trop sérieux. Prends ça comme tu veux. En tout cas, moi je passe un bon moment. C'est pas vraiment mon fort. Quoi donc? De sortir avec une fille. Ça je le sais. Ça se voit tout de suite.
est à point. Ah, vous voilà enfin. Vous en avez mis du temps. Dépêchez-vous, la compétition va commencer. La compétition ? L'une des spécialités locales, la course sauvage. C'est un jeu auquel participent des animaux domestiques. Ça inclut des ballons, des boules de poils et beaucoup de rebondissements. La recette idéale pour un rendez-vous palpitant. Alors, c'est parti ? Lancez les 8 balles dans les buts de la couleur et du mur correspondant avant la fin du temps imparti. Ok. Allez, je suis prête. Encore un bracelet ? Je crois que t'as pas bien compris. C'est une course pour les animaux. Les humains aussi sont des animaux, non ? Je peux participer. Désolée, c'est pas autorisé. Oh, c'est pas juste. Vous n'avez pas d'animal de compagnie ? Bien que je ne sois pas un animal de compagnie, je serais ravi de participer. C'est arrête de jouer. Je kiffe jouer à la balle. Bon, alors nous, on va l'encourager. Pour Red, hip hip hip, hourra ! Et on commence par le jaune. Et merde. Et quand tu veux, Red. Ok, le bleu il est juste là. Sérieux, lui ? Ah, c'est numéro 4, le 4, c'est où ? Je sais pas. Le 4, il va où ? Ah ok, c'est écrit. Ok, d'accord. 5, le 5. Toi tu es. Allez, sérieux, lui. Le 6... Tu veux, mec ? Allez, sérieux ? Le 6, il est là. Le 6.
Pourquoi tu vas être relou comme ça, mec? Objectif 3030, on peut rester, hein, au pire. Allez, truc à la con comme ça. Le 8. Faire des lames. J'ai pas eu ça. Hein. Bah pas trop tôt. Ok, premier, essayer. Le 1. Je ne peux pas mettre un ballon qui ressemble au rouge. Comme par hasard. Ah, il est nul à chier. Ok, le jaune. Le noir. 4, il est où le 4? Le 5. Au revoir mec, le 6. Tiens. Le 7. Allez, vas-y, arrête de saouler. Putain. Non, il est sérieux, lui. Ma gueule. Hop, ok, 2 minutes, le 8. Ok, le 8. Ok, c'est bon. Deuxième. Bon, en tout cas, les mini-jeux, tout ça, c'est cool, mais ça fait perdre beaucoup de temps quand même. Bah, c'est les mégalodons. Un de ces jours, faudra qu'on fasse la course tous les trois. D'accord ? Défi accepté. Ce chien représente le lien qui les unit. Plus leur toutou s'ébat dans la joie et la bonne humeur, plus leur amour s'épanouit. Eureka ! L'inspiration a frappé !
J'ai la tête pleine de nouvelles idées. Pas une minute à perdre. Je dois tout de suite retourner à la boutique. Yorda a dû finir de préparer son activité, elle aussi. Rejoignez-la au stand de location de Chocobo. À plus! Petite balade en Chocobo. Hâte ouais, de pas voir jalouse. Au fait, quel genre de maillot de bain te plaît à toi? Pourquoi? Comme ça, par curiosité? Je sais pas trop. Un truc plutôt fonctionnel, je dirais. Fait d'un matériau imperméable qui dévie au maximum la pression de l'eau et qui permet de se battre à l'aise en milieu aquatique. C'est tout toi, ça. Malou, Yorda. Ça a l'air d'être long, la quête. Des glaces en forme de matériel, j'ai nommé les glaciers. Voyons voir le panneau. Ok, bon, y a bien une quête pour Johnny, ça c'est plutôt cool. De location au moins. Sinon, prenez celui-ci. Avec ça, vous pourrez louer librement des chocobos. Celui-ci s'appelle Kima. Il est très gentil. Vous allez devoir monter à d'autres chocobos et vous rendre à un endroit appelé la plage Concha. Il est trop mignon. Votre mission sera la suivante. Vous promenez sans but précis et ramassez des coquillages. Tant qu'à faire, essayez de ramener les plus gros que vous pourrez trouver. Moi, je vous attends tranquillement ici. Alors prenez tout votre temps pour vous faire de beaux souvenirs ensemble, puis revenez me raconter tout ça. À dos de chocobo? C'est la première fois pour moi. Ben, on en a déjà monté. Oui, mais là, c'est différent. C'est pas faux. Ok. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Je m'attendais pas. Ah ouais, mais c'est carrément une autre zone là. Région de Corel. En route vers le mont Corel. On terminera cette quête en route pour la plage de Concha. On fera ça aussi si on peut. C'est sur le chemin. Une requête de Johnny. Eh ben putain. Mais il est super long quand même. Trop de quêtes, trop. Il y a trop de mini-jeux, il y a trop plein de trucs. C'est incroyable. Bref. Chercher des coquillages, ouais. C'est une première. Belle esquive. Qu'est-ce qu'il y a? T'es tendu? Pas du tout. C'est une mission facile. Il est tendu! Calme-toi, Iris. Bon, bref. Donc, on se revoit très rapidement pour le prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt. Ciao, tout le monde.